Eh bien salut mes lapins, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur ce bon vieux GTA V dans sa nouvelle mouture sur PC, accompagné de notre ami Trevor. Regardez-le, il est bien vénère, hein. On sent qu'il a envie de manger de la femme enceinte et de tuer des éléphants à main nue. Bref, alors si vous voyez des légers ralentissements durant cette vidéo, c'est normal parce que c'est aussi le but de cette dernière, hein. C'est tout simplement de vous parler un petit peu de son optimisation générale sur PC, quelle config il va vous falloir à peu près pour en vraiment en profiter au maximum, hein, c'est-à-dire en ultra, tout à fond, en 60 images par seconde. Et bah croyez-moi que ce n'est pas gagné. Alors déjà, sans plus tarder, je vais vous afficher ma config personnelle à l'écran. Hein, donc vous voyez que j'ai quand même une GTX 970 avec 4 gigaoctets de mémoire vidéo dédiée. J'ai quand même un bon Core i7-4000 et des brouettes qui est quand même assez excellent avec 16 gigas de RAM. Et malgré tout, et bien là, même si le jeu est beau, regardez, ce n'est pas fluide du tout, hein, dès qu'on va dans le désert ou dans la nature, étant donné que je suis à peine à 30 fps. Et pourtant, je suis bien en ultra, ça je vous le confirme. Alors, c'est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu frustrant, parce que c'est quand même une config qui coûte 1600 balles. Hein, j'ai pas payé 1600 euros, parce que personnellement, mettre 1600 balles dans un PC, ça m'aurait fait mal. Je suis en partenariat avec Top Achat, donc forcément... Oh, attendez, je crois que lui, il vient m'embrouiller. Regardez, il vient se la mettre. Oh, l'enculé. Oh, puis chier, il veut m'attaquer aussi, bah merde. Attendez, là, Regardez, j'ai sorti le flingue, là j'ai buté le chien. Je suis désolé, hein, mais le chien voulait ma mort, donc j'ai pas vraiment eu le choix. C'est pas que je voulais... j'aime pas faire du mal aux animaux, même dans les jeux vidéo. Attendez, bah du coup, on peut peut-être se mettre en vue FPS, s'ils veulent bien. Alors, vous voyez, bon bah là, voilà. Là, je vous ai mis la vidéo justement en 1080p 60 FPS pour que vous... Désolé, pour que vous puissiez voir, hein, parce que l'avantage de mettre en 60 FPS, eh ben, c'est que vous verrez dès qu'il y a du... Bah putain, mais il y a combien de chiens ici, merde. Dès qu'il y a du 60 FPS dans le jeu, bah vous le verrez. Et si ça descend à 30 FPS, et bah vous le verrez aussi. Voilà, donc putain, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? Mais ils veulent tous me tuer? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah viens. Vous voyez au moins, là, regardez, je suis une petite roulade. Vous voyez à peu près la profondeur de champ. Et encore, j'ai désactivé le flou de mouvement. Parce que ça, je trouve que ça, le flou de mouvement, c'est pas vraiment... Bah, ça peut être beau, mais ça enlève un peu de fluidité, selon moi. Et puis, ça bouffe pas mal de ressources. Alors, toi, c'est pas que t'as une belle voiture, mais elle est un peu dégueulasse, en fait. Donc, j'aimerais bien trouver autre chose. Et puis, du coup, bah, je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Regardez, là, je suis en 60 FPS. Là, je ne bouge plus. Je suis en 60 FPS. Vous voyez que c'est fluide. Et dès que je vais tourner, hop, là, regardez, dès qu'il y a de la distance d'affichage, et bien voilà, je redescends à 30, voire un petit peu moins. Parfois, je suis à 25, 27, 29 maximum. Espèce d'enculé, va, tu vas me laisser ton 4x4. Putain, je l'ai pas eu. Merde. Bah merde, alors. J'ai bien envie de tuer quelqu'un avec une hache. Parce que regardez, il y a une nouvelle arme dans le jeu. C'est une hache, et ça, je surkiffe. C'est trop bien. Tuer des gens à la hache, c'est quand même merveilleux, je trouve. Donc c'est un petit tomahawk qu'ils utilisaient à l'époque, genre en 1770 et tout, enfin bref. Est-ce que je peux massacrer... J'ai oublié que j'étais dans un village de bouseux, donc je peux pas... Y'a personne là-dedans? Ah si, peut-être là. Non? Attendez, je vais monter à l'escalier. Attends, si seulement ils pouvaient nous faire un jeu de survie à la DayZ, mais avec des graphismes comme ça, ce serait magnifique quand même. Mais voilà, donc en gros, pour vous revenir à la configuration PC, pour tourner vraiment en ultra, je vous le dis, le d'office... Merde, attendez, j'ai vu un quad, j'aurais bien aimé pêcher le quad là-bas. Il est peut-être un peu loin maintenant. Merde, il était un peu trop loin pour que je puisse l'avoir. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il a une voiture à peu près potable qui coûte environ un peu plus de 3000 $? Quelque chose de correct. Les animations aussi, hein, le drapeau américain, regardez par exemple, c'est quand même assez... C'est quand même pas mal. Hein. Bon là, je crois qu'on est le matin, il fait pas encore super beau. Tiens. Voilà, j'ai une étoile, mais je m'en fous. Ouh, ouh, assassin de la police. Je vais me sauver d'ici tout de suite. Et puis on va aller faire une petite balade dans le désert, je sais pas. J'aimerais bien vous montrer du coup, est-ce que je pourrais peut-être... Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai pas tout découvert? Enfin, plutôt redécouvert. Merde, des flics. Non, qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, oh le flic qui va me choper, je vais avoir des étoiles, ça va finir, je vais mourir. Je sais très bien comment que ça se passe, c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Voilà, je vais vous montrer la flotte aussi. Donc là, il fait pas très beau, j'espère que ça va se découvrir. Alors là, par exemple, bah, là, mon PC, là, il arrive presque à bout.
je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pour ça. Alors, sur Twitter, beaucoup d'entre vous, quand j'ai dit que mon PC, enfin GTA tournait pas vraiment bien sans mon PC en ultra et tout, certains m'ont dit « Ah, mais moi j'ai une config de 2012, j'ai une GTX 650 Ti, machin, je fais tourner en ultra. » Les gars, honnêtement, je ne me prends pas de haut et loin de là, et je pense qu'on n'a pas la même conception de jouer en ultra. Hein. C'est-à-dire que moi j'applique tout au maximum, y compris les filtres, absolument tout. Et en 1080p, bien évidemment. Et honnêtement, si vous me dites que vous le faites tourner en ultra avec une 650, non, je veux pas y croire, je suis pas le seul dans ce cas-là. Après, voilà, moi, quand je dis en ultra, c'est que c'est du 60 fps constant sans aucune embrouille, quoi. Attendez. J'aurais bien aimé lui prendre sa moto à lui, là. Je préfère une moto, en fait, qu'un quad, parce que le quad, c'est quand même super chiant. C'est bien de tuer des gens, mais c'est quand même mieux en moto. Voilà, regardez, hop, on va aller dans un endroit peut-être un petit peu gourmand. Ouais, encore, il n'y a pas grand-chose. Donc, faut savoir que j'ai mis les herbes en ultra aussi, vous voyez. Et dès que vous passez dessus, ça se plie. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le pelage des animaux. Enfin, j'aimerais bien vous montrer des animaux, tiens. À mon avis, je pense que je vais devoir aller dans la nature. Ça, c'est la voie de chemin de fer, je crois. Enfin, on va... C'est un train qui arrive vers moi ou... D'accord, ok, lui, il faut vraiment que je l'évite. Sinon je vais me faire défoncer. Et j'ai pas envie de me faire défoncer. Et encore là, le temps est pas terrible, hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, donc ça allège un petit peu de... Merde. Oula, je me suis pris une dérouillée. Regardez, ils ont quand même vachement amélioré les herbes et tout ça. C'est, par contre, il faut dire ce qui est, c'est quand même super beau. C'est un jeu qui est très beau. Mais il n'est pas assez beau pour faire laguer, enfin pour faire ramer mon PC à ce point-là. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Un PC à 1600 boules, dans les tarifs normaux, voilà, il devrait être capable de faire tourner à l'heure actuelle n'importe quoi, c'est clair et net. N'importe quel jeu. Eh bien non. Donc je vous le dis tout de suite. Si vous avez même un PC portable gaming, hein, vous savez. Oh putain, c'est des loups ça. Ah, je voudrais vous montrer le pelage. Est-ce qu'ils ont fait du beau pelage dessus ou pas? Peut-être que sur les petits animaux, je ne sais pas. Merde, lui il va. Voilà. Je suis désolé, à chaque fois ça tombe sur des pauvres animaux sans défense. Est-ce qu'ils ont fait du pelage? Voilà, là ils en ont fait. Alors attendez, est-ce que je peux zoomer? Ah bah peut-être en vue FPS, regardez. Peut-être en vue FPS, voilà. Voilà, regardez le pelage. Ça c'est quand même super sympa, il faut dire ce qui est. C'est ça donne une autre dimension, voilà, c'est sûr, ça fait un peu Pixar. Mais bon. C'est bien beau s'ils avaient pu le faire peut-être un peu plus léger, je sais pas, l'optimiser un petit peu mieux, faire quelque chose de convenable pour tous les joueurs, mais malheureusement, bon l'avantage c'est que si vous avez une PS4, hein, qui coûte quand même beaucoup moins cher qu'un PC, si vous... Oh là, d'accord, je sais pas ce qui m'est arrivé, là j'ai pris tarif. Si vous avez une PS4, vous pourrez quand même, il est quand même super beau. Quand je vois la version PC, les ressources que ça prend, je me dis putain, en fait, eh ben, notre bonne vieille PS4, elle en a dans le bide. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais elle en a sacrément dans le bide. Voilà, donc là vous voyez, parfois je suis à 60, parfois je redescends à 30, ça dépend vraiment, donc est-ce qu'il y a une technique après? Est-ce qu'ils vont peut-être l'optimiser par la suite? Bah ça serait bien. Arrêtez-vous s'il vous plaît, laissez-moi passer. D'accord, donc j'ai pris... Vas-y, ouvre, mais merde! Putain, imaginez vous voyez un mec comme ça sur la route avec sa hache. Oh l'enculé! L'espèce d'enculé, va! Tiens, toi! Toi, là, toi! Oh putain, il faut qu'il y ait que des bagnoles dégueulasses, mais c'est pas possible. Attendez, je vais juste ouvrir lui, voilà. Allez, viens là. Est-ce que je peux te mettre des coups de hache? Tiens! Voilà, lui, je l'ai buté. Allez, on y va. Oh non, tu n'as pas voulu rester avec moi dans la voiture, toi! Allez, je me sauve de la directe. Et on part en vacances, et on part en vacances avec Trevor. Les vacances avec Trevor, vaut mieux pas, je pense. Ah ça y est, il commence à faire beau. Ah, il y a un peu de pluie. Ah bah ça serait cool, au moins je vais pouvoir montrer la pluie. Je vais descendre à 15 FPS, mon PC il va décoller jusqu'à la lune, quoi. Mais au moins, voilà, je vous montrerai un petit peu ce que ça fait quand la route elle est mouillée. Donc, vous voyez, c'est quand même joli, les reflets sur les voitures. C'est super sympa aussi, ça c'est clair. Ça fait plaisir. Donc c'est pas une vidéo à but pour vous montrer une mission ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous montrer comment est à peu près le jeu, quoi. Est-ce que je peux faire un braquage? Oh oui, je vais pouvoir faire un petit braquage, quoi que ouais, ça passerait très bien un braquage, je pense. Bonjour. Moi que les flics arrivent, non, si les flics arrivent, je vais être un petit peu baisé, je pense.
Bah c'est bon, là l'étoile elle va partir normalement, oh. Faut pas déconner quand même. C'est comment pour se baisser déjà? Non, je crois qu'il y a une technique, c'est quoi? C'est... Non, c'est pas ça. Bon d'accord, j'ai fait n'importe quoi. Allez l'étoile, s'il te plaît, va-t'en. Ah non, puis je vais même pas pouvoir les semer après. Si, au pire, allez, je peux tenter le coup. On va tenter un coup de maître, les gars. Je suis déjà recherché. Tais-toi, toi. Quel fils de chien, lui. Il veut pas me donner à... Il est sérieux? Ah ouais, tu veux... Bah tiens, toi, tu veux pas me donner... T'es sous, bah je m'en vais, voilà. Merde, les flics sont déjà là. Non, j'ai évité de les buter pour avoir 3 étoiles, quand même. Parce que là, si j'ai 3 étoiles, après, je suis vraiment baisé. Eh, faut que je me sauve, faut que je me sauve, vite, 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 vite. Et vous me crevez les pneus. Donc là, au moins, vous voyez la pluie, aussi. Comme ça, ça vous montre un petit peu toutes les facettes du jeu. Je suis désolé, hein, de ne pas pouvoir vous le proposer en ultra, mais j'ai pas non plus envie de griller ma carte graphique ou autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait quand même dommage de tout claquer, quoi. Regardez la nature avec les herbes et tout. Ça, c'est quand même vachement sympa, par contre. Ça fait super plaisir d'avoir quelque chose de propre comme ça. Je vais me barrer. En général, dans les hauteurs, ils ont un peu de mal à y aller. Voilà, attends, est-ce que ma voiture glisse? Non, c'est bon. Donc par contre, les distances d'affichage sont assez impressionnantes. Ils vont me revoir, ils vont me revoir. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je descende là. À la plage. Vite! C'est bon. Ah, j'ai quand même réussi à échapper aux 2 étoiles. Hein. C'est quand même bien plus facile qu'en ville. Hein, parce qu'en ville, je me fais défoncer à chaque fois, c'est horrible. Voilà, c'est un peu une vidéo benchmark comme on dit. Attendez. Par contre j'ai envie de tuer beaucoup de gens d'un coup là. Et d'une manière assez brutale, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça c'est ça qui est bien dans GTA quoi. C'est ça qui est juste génial. Voilà, c'est ça que je veux, nom de Dieu. Oh là, je les défonce. C'est trop bien. Donc je joue à la manette en plus de ça. Hein. C'est quand même bien à la manette sur GTA. C'est tout ce qui est jeu à la troisième personne, j'adore la manette en fait. Oh là, il y a embrouille là. It's time to kill! Tiens! Oh là là, j'adore. J'adore le mode brutal comme ça de Trevor. C'est juste fabuleux. Je les défonce, nom de Dieu. Ça rigole pas avec moi. En plus, j'ai des grenades. J'ai envie de foutre des grenades partout là, de faire péter leur bagnole. Tiens, toi! Jeter des grenades sur la route comme ça gratuitement. Oh là! Tiens, prenez ça et. Ça et ça! Merde, il me tire dessus là. Et là, si ça continue, je vais pas tarder à crever. Je pense que je vais pas tarder à crever. Oh oui, là, en général. Tiens! Ah, il y a l'hélico, j'avais pas vu. Ah, il m'a buté! Dommage. Ils sont super super chauds les flics dans GTA. Putain franchement c'est, je pense que c'est le plus dur à tenir au niveau. Surtout les hélicos, t'en butes un ou deux et t'en as un autre qui se ramène de genre 15 secondes après, c'est abominable. Mais du coup je vais réapparaître. Ah bah je réapparais là, c'est nickel, en plus il fait beau. Ah nickel, je viens de me faire tuer au calme. Parfait. attendez, je vais me mettre en vue FPS. Voilà, en vue FPS, faut dire ce qui est, c'est quand même beau. Voilà. Y'a rien à dire, regardez la flotte, je sais pas si vous voyez. Ah non, y'a pas quand on... Ah dommage, j'aurais bien aimé voir un petit... une petite gerbe de flotte comme ça, regardez la route et tout. C'est quand même pas mal quoi, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, y'a pas à dire, c'est joli tout ça. Bon voilà, écoutez, je pense qu'on aura fait le tour. En tout cas... Honnêtement, pour profiter un minimum de GTA V, je le répète, je dirais qu'il vous faut au minimum une GTX 660-670 avec un Core i5 2500K et 8 Go de RAM. C'est vraiment le minimum pour y jouer en médium 1080p. Voilà, déjà en médium 1080p, il sera assez joli, je pense, mais c'est vraiment le minimum que je vous conseille. En dessous, ça vaut pas le coup, je pense. Enfin, si, parce qu'il y aura les mods, mais si vous cherchez les graphismes, non, autant le prendre sur une bonne vieille PS4, ça suffira largement, selon moi. Voilà, après, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que mon avis ce que je vous dis là. Mais voilà, concrètement, je suis un petit peu déçu de l'optimisation. C'est bien le seul défaut que j'ai à faire à GTA. Bon, après, le multijoueur, je suis pas trop fan non plus. Attendez une seconde.
Ah, trop bien. J'ai pété la bagnole par-dessus, attendez. Merde, dommage. Viens là, toi. Oh putain, trop bien ce camion là. Attendez, j'ai juste envie de me le faire, il est... Oh, c'est énorme ça. Les grosses bastons à l'ancienne là. Est-ce que j'ai ma hache? Ouais, j'ai ma hache qui est en plus. Merde, les flics arrivent. Qu'est-ce que je pourrais leur... Ouais non, je vais peut-être pas y aller. Attendez. Je jette quelques grenades. C'est ça... En fait, GTA, c'est ça que j'adore dans le jeu. C'est juste tuer des gens. Voilà. Tuer des gens. C'est tout ce que j'aime. Bon, désolé hein, si j'en ai choqué à tuer des animaux. C'était pas mon but. Oh là, lui, il est chaud. Là. Oh, le doublé. Oh, le doublé, c'était magnifique. Un doublé de poulet, quoi. On se fera à KFC, sérieux. Alors, on va voir si je peux résister. On fait ça jusqu'à ma mort au calme. On verra bien. Ah non, non, non. Je vais peut-être reprendre la M16. Enfin, la M4, plutôt. Il est où, cet hélico, là? Allez, l'hélico, meurs, meurs! Je sais que Trevor il peut les défoncer en plus. Laissez-moi en paix, laissez-moi tuer des gens, j'ai rien fait. Ah si, j'ai fait des choses, mais... Putain, qui c'est qui me tire dessus? C'est lui encore là-haut, là? Je suis à moitié mort, l'autre dit let's go, let's go. Je suis bien dans la merde. J'adore, le mode FPS est excellent, ça donne vraiment une autre dimension au jeu, hein. Faut reconnaître... j'ai pas une autre arme que ça là, j'ai pas acheté. Ah bah tiens. Va-t'en, nom de Dieu! Ah là, je pense que je suis presque mort à mon avis. Ça va être tendu, mais je tiens, hein, mine de rien. Ils sont où là? La grosse cavale, la bala 4 étoiles à mon avis pour s'en sortir, putain. Je crois que j'ai déjà fait quand même, je crois que j'ai déjà fait une 4 étoiles mais pas plus. Hein. Ah bah je suis mort, voilà. Bon, mes lapins, j'espère que cette petite vidéo pour vous présenter GTA dans ses derniers retranchements sur mon PC vous aura plu. En plus ça faisait 6 mois que j'avais pas proposé quelque chose. Voilà, c'était l'occasion de nous retrouver. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir. On se quitte sur une belle image, voilà, avec l'avion qui passe en haut de la montagne et tout. C'est génial, c'est fabuleux. On attend avec impatience les mods, hein, vous le savez, ça va être génial, je pense, des mods zombies et tout, ça va être juste une dinguerie. Et puis, bah écoutez, je vous nous laisse sur la petite tête de Trevor, quand même, il est juste fabuleux. Il est fabuleux, ce mec, je l'aime tellement, si vous saviez, voilà. Trevor, c'est vraiment mon personnage préféré. Et puis, bah écoutez, à une prochaine, n'oubliez pas, au niveau des configurations PC, ne vous emballez pas trop, parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus, tout simplement. Allez, à la prochaine, ciao tout le monde.